Je m'appelle Alexandra Falardeau-Maher. Je suis volontaire au Togo pour Carrefour International. Je suis conseillère en accompagnement du programme d'autonomisation des filles au Togo. C'était mon premier mandat de volontariat. J'ai commencé en septembre. Mon nom, c'est, est-ce que vous vous en rappelez? Oui. C'est quoi? Je travaille auprès de GF2D. C'est un organisme qui travaille à la promotion des droits des femmes et des jeunes filles. La plupart des programmes concernent surtout les femmes adultes. Moi, je travaille pour un programme qui est très différent, qui est le programme des jeunes. C'est des clubs qui ont été créés dans les établissements scolaires. Et puis, ces clubs-là se rencontrent sur différents sujets. Comme le leadership, l'autonomisation, la santé de la reproduction, les violences faites aux femmes. Souvent aussi, les femmes, elles ont peur que les gens ne la croient pas. Alors, particulièrement si c'est dans la famille, elle a peur de briser la famille. Je dirais qu'aller à la rencontre des jeunes sur le terrain, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Aller voir un peu à quoi ressemblent les projets, venir leur apporter du support, répondre aussi à leurs questions. Apporter aussi du support aux encadreurs qui, en fait, ne sont pas nécessairement plus experts que les jeunes filles, les jeunes garçons sur ces sujets-là. Ça a pris du temps au début à ce que ça démarre, à ce que je comprenne, moi, mon rôle, c'était quoi au sein de l'organisation. Aussi, qu'il y a une différence entre ce que j'aimerais apporter et ce que je peux réellement apporter. Donc, je dirais que ça a été un ajustement à beaucoup de niveaux, mais ça se passe vraiment bien. Puis finalement, j'ai beaucoup aimé ma collaboration, puis j'ai appris beaucoup plus que ce que je pensais. J'aurais peut-être moins appris que moi, j'ai appris, je pense.